aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui on va se faire un pack opening vraiment assez complet. On va acheter, j'ai déjà débloqué pas mal de coffres, notamment celui des quêtes qui a l'air pas mal. Vous avez remarqué aussi que j'ai pas pu changer de prénom, en tout cas sur le jeu, donc ça restera mon ancien nom de chaîne, mais bon, c'est pas très grave. Au moins vous le saurez. Alors on va commencer ce petit pack opening. Je vais vite fait vous montrer les cartes que j'ai eues depuis la dernière fois. J'ai eu pas mal de trucs, notamment au niveau des légendaires. Vous voyez un petit peu tous les niveaux des cartes. Je vais descendre. Voilà. Vous voyez toutes mes légendaires un petit peu. Il y en a pas mal du tout. Alors on va commencer à s'ouvrir des coffres classiques. Donc ceci, les coffres en or qu'on obtient assez souvent. 505 d'or, pas mal. 6 recrues royales. 2 valkyries. Faudra peut-être que j'améliore. 19 mégaboules de neige. Ça, c'est pas très cher à améliorer. J'essaierai de le faire. Et 6 béliers de combat. Ok, pas de légendaire en tout cas, dommage. 509 d'or. Un cochon, des cochons royaux x1, donc ça c'est pas mal, mais il y en a encore beaucoup pour l'améliorer. 24 recrues royales, 7 guérisons et je pense une épique, 1 PK. Ok, bon, c'est pas non plus, c'est vraiment pas mal, ça va, c'est pas le meilleur, mais c'est déjà bien. On va passer à l'ouverture du coffre à couronne, et après celui-là on va commencer à passer sur du très lourd, sachant que lui est quand même un excellent coffre. Donc pas mal d'or, 4 gemmes. 15 squelettes, 39 chevaliers, 11 valkyries et une armée de squelettes. Ok, c'est pas mal, notamment les 4 gemmes. Alors là, on va passer à l'ouverture du coffre gérant, qui a l'air pas mal. On espère en tout cas avoir de bonnes cartes. 2583 d'or, ça c'est pas mal du tout. Un bébé dragon. 29 électrocuteurs, 29 cochons royaux, plus 2 et je peux l'améliorer, et 228 recrues royales. Alors là on va passer au coffre magique, vous allez voir, lui on peut tomber sur une légendaire dedans, alors on l'espère. Pas mal d'or, un barbare d'élite, ça commence mal, 8 flèches, allez donne-nous tout ce qu'il faut, 11 archers. 41 barbares, allez, il faut tout avoir là maintenant. 17 golems de glace. 9 gels et la légendaire, les amis. Légendaire qui va tomber. Allez, on espère avoir quelque chose qui pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce que ça va être? Et ça tombe sur le méga chevalier. Dommage, il m'en faudra encore 3 pour l'améliorer. Mais c'est toujours une carte légendaire et ça fait toujours vraiment extrêmement plaisir. Alors là, on va passer à un nouveau coffre. Qui va vous plaire, c'est tout simplement le coffre légendaire, donc ça va être 2 légendaires pour ce petit pack opening, ça va être pas mal. Alors on est parti, quelle va être la légendaire qu'on va avoir dedans, j'espère vraiment avoir un truc pas mal, mieux que tout à l'heure. Et ça tombe, ok dommage, dommage, ça tombe sur la voleuse, bon ça nous fait toujours une légendaire gratuite, mais il m'en faut encore 3, comme pour l'autre, pour l'améliorer. En tout cas on a aussi un petit coffre, tiens, je l'avais pas vu, on a qu'à le récupérer. Un peu d'or, des fûts à squelettes et 2 méga gargouilles. Ok, donc en tout cas, ça va être tout pour ce pack opening, sachant que j'aime beaucoup les quêtes. C'est vraiment un excellent moyen de gagner de bons coffres. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit pack opening vous aura plu. Moi, j'aurais bien aimé, je suis contente d'avoir eu 2 légendaires. Je ne m'attendais pas à les légendaires dans le coffre magique. En tout cas, merci à tous pour votre visionnage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.